Vous avez toujours le dessin de la manche sur le même document? Alors, je les sélectionne, ces manches. Où sont-elles dans la palette des calques? Sur le mauvais calque, même chose, je vais les transférer sur le bon calque. Voilà, sur le calque des traits, en déplaçant le petit carré. Alors, dans le cas de la manche ici, la couture va être plus simple. Donc, je ne vais pas commencer à jouer avec un effet de décalage, évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est ceci. Avec la flèche blanche. Je clique à côté de tout, je clique sur l'extrémité ici. D'accord? Alors, voyons ce qui se passe si on fait CTRL-C, CTRL-V. Eh bien, ça marche. Ça nous a collé le trait qui était sélectionné. Alors, la logique voudrait que je déplace cette ligne à l'endroit de la couture. Mais on va la jouer plus rusée ici. Parce que si on ne fait pas ce qu'on va faire maintenant, ça va être compliqué pour la suite. Vous devriez transférer ces lignes qu'on va appeler des lignes secondaires, en fait, hein. Ce n'est pas des lignes qui font les formes, c'est des lignes qu'on ajoute aux formes. Vous devriez la transférer sur un autre calque. Donc si vous n'avez pas d'autre calque, il faut le créer. Et si vous en avez déjà un, vous prenez le petit carré, vous transférez la ligne là sur le calque trait 2. Voilà. Donc on a la forme qui est sur le calque trait 1, la ligne ici sur le calque trait 2. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir manipuler toutes ces lignes sans que les formes s'activent, parce qu'on va faire ceci. Cliquez sur la case vide en face de trait 1 pour verrouiller le calque. Donc impossible maintenant de manipuler la forme de la manche, on ne manipule que ceci. Pas de problème, ça se sélectionne facilement, c'est ça l'intérêt des calques. Bon, je vais aller désactiver le magnétisme de la grille, hein. Majuscule, CTRL F7, si vous voulez, parce que cette ligne doit pouvoir se positionner librement. Elle ne se cale pas sur la grille, on est d'accord. Voilà. Par la palette contour, vous allez lui mettre le contour qui convient. Voilà.